Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes et noirs, Taïmata, chez notre aîné. Plus précisément la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Et toi t'es un gnosso. Biloko ya ya yo Congolais. On y dit ne kola yo. A sali sa yo te. Pour la Corée na yo. Moko ma bonne la yo. Pour la Nzoto na yo. Moko ya ele. Pour ma bonne la yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es un gnosso. Pour pas qu'on comprenne le thème, pas congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, la Pino Moko, pas qu'on est la Pino Coréenne, appétit. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. La quête de la République nous intéresse beaucoup. Ce n'est pas possible que vous puissiez dire aux gens que vous aimez la République sans vous intéresser des questions cruciales de cette République-là. Or, les questions cruciales de la République, c'est sa production intellectuelle, sa production du sol, sa production du sous-sol. Bref, toute la production de cette terre-là. Et dans la production, on parle aussi des hommes. On parle de leur lien avec la terre, de leur lien avec l'histoire, de leur lien avec les règles ancestrales de votre pays. Tu ne peux pas être Congolais au sens de notre histoire si tu n'es pas Moulouba, si tu n'es pas Mungala, si tu n'es pas Mutabandulu, si tu n'es pas Mutakongo central. Ce n'est pas possible. Si vous êtes Congolais et que vous n'avez pas de souche chez nous, vous n'êtes pas Congolais. Peut-être vous l'êtes par nationalité, vous l'êtes par des principes juridiques, mais vous ne l'êtes pas par des principes historiques et par des principes sociologique. Il faudrait que les gens arrivent à faire la nuance. Si vous ne faites pas cette nuance, eh bien vous êtes perdu. La question n'est pas ici de savoir comment il a acquis la nationalité. D'abord, la nationalité, on ne peut pas l'acquérir en réalité. La nationalité sociologique, la nationalité historique, on est avec, on trouve ça dedans. C'est-à-dire vous naissez avec, vous n'avez pas besoin de faire de preuves. Vous n'avez pas besoin de dire « ma mère est telle, mon père est tel ». Vous n'avez pas besoin parce que l'histoire, la sociologie de ce pays vous rappelle que vous êtes de là. Les gens veulent qu'on parle de la nationalité d'origine, mais il y a un piège dans la nationalité d'origine. Le piège dans la nationalité d'origine, c'est que ça nous renvoie à 1960. Ça veut dire les Maliens, les Ivoiriens et tous les restes de ces gens qui se retrouvaient sur le sol congolais en ce moment-là, considérés comme des Congolais. Et puis après, il y a un long débat, mais alors un grand débat. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que ce n'est pas le cas. Mais je suis aussi d'accord avec ceux qui pensent que c'est le cas. Parce que ici, on a tout simplement étranglé la Constitution. Les gens ont fait de cette Constitution pas un compromis, mais un lieu de compromission.
Nous avons dû fermer les yeux sur des questions qu'on ne pouvait pas. Parce que ça énervait les porteurs de Kalachnikov. Parce que ça embêtait la quiétude des porteurs de billets. Et dans l'atmosphère aussi toxique dans laquelle on a eu cette constitution, il y a eu beaucoup de douleur. Au fait de passer ça, nous faisons passer ça. Au fait de passer ça, nous amenons ça aussi. Et dans cette atmosphère de compromission que j'appellerais atmosphère compromissoire, nous avons donc laissé passer des choses, mais alors impossibles. Ici, les gens veulent nous amener dans une confusion, mais alors terrible. Nous ne parlons pas de l'exclusion de la nationalité congolaise. Nous avons parlé d'un seul aspect. L'aspect ici, c'est pour la présidence, pour présider la destinée des Congolais, il a été demandé. Comme ça se passe dans plusieurs autres pays, c'est une question de fierté nationale, d'identité profonde et surtout d'identité profonde, comme je l'ai dit, de la nationalité, de l'histoire qui lie les morts et les vivants, et ceux qui vont naître à notre histoire, à notre pays. Nous disons qu'il faut être des pères et des mères congolais. Écoutez, quand on dit congolais d'origine, il y a encore un autre piège. Nous disons, je peux même employer le terme qui va peut-être fâcher, mais par moi, il faut le dire. Je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut noircir parfois le tableau pour le rendre intéressant. Moi, je suis convaincu qu'il faudrait parler, par exemple, des questions de souche. Et d'ailleurs, ceux qui veulent nous faire comprendre le contraire, mais allez en Chine, vous allez voir. En Chine, après mes analyses, après les recherches, après la discussion avec certains amis, ils nous disent qu'il y a ce qu'on appelle les Xanxu et les Xiaoxu. Les Anxu, c'est la majorité nationale des gens du centre sans contact avec les frontières. Ça veut dire, si vous vous souvenez, il y a de là 4 mois, j'avais parlé de ça. J'avais dit que nos pays frontaliers, nous devons être beaucoup plus sévères avec nos pays frontaliers parce que les plans d'occupation ou le plan d'infiltration, ça ne se passe pas dans le mois, ça se passe dans les décennies. Ça se conçoit et ça se pérennise. Ça veut dire qu'un pays avec qui vous partagez la frontière peut nourrir des ambitions de vous dominer. Mais ils étalent ce projet dans les 50 ans ou même dans le centenaire. Ils disent que nous allons marier nos enfants avec eux, nos enfants grandiront là-bas, ils auront la nationalité, ils penseront à nous, nous allons les éduquer pour nous. Et on l'a dit, nous sommes en train de le voir depuis 97. Vous avez vu? Et c'est exactement de cette façon-là que les choses se passent. Est-ce que vous pensez qu'en 97, ces gens réclamaient déjà la terre? En 97, plusieurs personnes, plusieurs gens, je veux dire des gens qui sont venus d'ailleurs, ne demandaient pas la terre. Mais c'est après 20 ans qu'ils ont commencé à demander la terre. Et quand vous regardez, leurs enfants ont grandi ici. Ils ont grandi ici, ils ont fait des choses ici. Il y en a des commissions qui les amènent en Europe, qui les amènent aux États-Unis et qui forment des lobbying là-bas et qui se réclament aux Congolais. Après, ils demandent la terre. C'est après 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça veut dire que si on veut vous infiltrer, on ne le fait pas dans 10 ans. Non, on ne le fait pas dans 5 ans. Il faut le faire après 50 ans, après 30 ans, après 40 ans pour permettre une certaine légitimité du combat. Quelqu'un va dire que je suis des pères, mais pas des mères. Où je suis de mère, mais pas de père. Après, ils vont vous inventer des théories. Et puis, ne vous en faites pas. Il y a toujours des grands moyens à l'étranger, des grands projets à l'étranger qui sont prêts à acheter ces projets. Et quand ils achètent ces projets, ils en font un combat. Et vous, si vous n'êtes pas préparé, si vous ne comprenez pas ces choses, eh bien, vous êtes totalement parti. Il ne faudrait pas que le désintéressement de ton pays te pousse à tout négliger. À un moment donné, il faut tout coller, tout comme on a moins esprit à en comprendre. Na Chine déjà, Bazan, Bazangsu, Badape na Xiaoxu. Xiaoxu, c'est la minorité nationale et le frontière avec le pays limitrophe. Bango, Bazan a une autre histoire de voir les choses. Ils ne sont pas pareils. Dans ce pays, il y a des tribus et des ethnies qui n'ont pas de frontières. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de doute d'infiltration. Bah, la frontière, ils ne partagent pas la frontière avec un autre pays. Donc, bah, risque, on les a minimes. Sauf dans le cas de déportation. Mais le risque qu'on est à Pinza minime. Mais revenons sur la question de nationalité parce que ça intéresse les gens. Et je suis même convaincu que ça pourrait être l'un de mes derniers numéros sur la question de la nationalité parce qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Et je crois que les Congolais peuvent comprendre. Neko ezali kambuya mboka, ezali kambuya mabele. Nous ne pouvons pas laisser notre pays être dirigé par un étranger. Excusez-moi de le dire, nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit dirigé par un étranger. Peu importe le moyen qu'il a. Attention à ce projet qu'on a, ma cave, ma serre, ma belle.
atonga ba immeuble na CM Abélé ba autoroute na CM Abélé même s'il va nous offrir les repas 7 fois par jour bakabaka papa te posa na mbongote ma belé na biso ki okaba yango te parce que nous n'avons pas de moyens. Autant lui il a de l'argent, autant eux ont de moyens, le Congolais aussi peuvent avoir de moyens. On ne peut pas comprendre que batomoko ba oti musika ba ye ba privé bino na ba avoir na bino ba lakisi bino ke bango ba leki bino na mbongo ba komisi bino ba bola ba yibi mbongo na bino ba tangoli ko na bino et puis batona ba elobi te ba kamba bino. Ils nous ont tout volé, même la nationalité. Et vous voulez qu'on accepte ça parce qu'on n'a pas de moyens, parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on est faible devant ces gens-là? Qui nous a volé, notre motologie? Qui nous a volé notre moto? Qui nous a interdit de parler et de réfléchir? Où est passée la fierté nationale? Et Zawak. Donc, aux autres, le Congo, aux autres, le Nambo, aux autres, l'Olinde du Congo, l'Olinde du Mboka, aux autres, l'Olinde de Makila, aux autres, l'Olinde de Mabele, aux autres, c'est comme ma coco, aux autres. Et quand on essaie d'en parler, les gens disent non, mais écoutez, c'est sentimental, ça, c'est trop émotionnel. Écoutez, attention à ceux qui parlent très souvent des émotions, ils sont eux-mêmes victimes de ces émotions-là. Voilà pourquoi ils le voient dans l'autre. On appelle ça l'effet miroir. Ils voient les émotions dans les autres parce qu'eux-mêmes sont dans les émotions. Nous, nous ne sommes pas dans les émotions, nous disons la vérité. Nous sommes transportés par la raison. Et parfois, quand la raison elle est forte, elle ressemble à nos émotions. Mais ce n'est pas les émotions, c'est la raison. Me dire que mon père n'est pas mon père, il ne s'agit pas d'une émotion, il s'agit d'une raison. Et revendiquer ma nationalité, ce n'est pas une émotion, c'est une raison. Beaucoup de gens sont morts à cause de la nationalité, de la question de terre. Nous sommes des humains à partir du moment où nous revendiquons notre sol. Nous ne sommes plus des humains à partir du moment où nous renions notre sol, où nous n'en parlons plus. Qui vous a vendu? Qui vous a demandé de ne plus en parler? Il faudrait en parler. Moi, je dis, pour être président de la République, il faut impérativement être de père et de mère congolais, d'origine, mais alors au sens propre. Pas au sens d'origine il y a 1960, non. Parce que si nous disons d'origine, il y a le Lengue de 1960, ça veut dire des Rwandais qui étaient retrouvés sur le sol congolais. En ces moments-là, à partir de 1960, deviennent des Congolais. Si nous comprenons dans la logique qu'on a, eh bien on fait fausse route. Mais si nous comprenons d'origine, dans la logique de souche, d'appartenir à deux tribus, et que vos parents aussi appartiennent aux deux tribus du Congo, on est d'accord. Mais si nous disons, il faut appartenir à une seule tribu, mais on est foutu. Parce qu'en 1960, il y avait encore le mariage entre le Mongo et le Rwandais. Ça existait. Avant 1960, il y avait encore le mariage entre un Mukongo et un Angolais. C'était possible. Il y avait encore en ce moment-là des mariages entre le Bahavu et le Rwandais, ou le Bahavu et le Burundais, ou les Ougandais. Alors si nous comprenons d'origine dans ce sens-là, eh bien on est perdu. Pour être Congolais, on veut bien. Moi je suis d'accord. Qui est Congolais? Tout celui qui a demandé la nationalité congolaise. Tout celui qui est né d'un père ou d'une mère congolais, tout celui qui a demandé la nationalité, tout celui qui a été retrouvé sur le sol congolais, selon la constitution, est congolais. Mais maintenant, pour exercer la présidence de la République, nous disons qu'il faut être né des pères congolais, d'origine au sens de souche, et d'être des mères congolaises au sens de souche. Parce que ton père, lui aussi, peut être demi-Dakar. Ton père peut être demi-Dakar. Ton père peut être le produit d'un Sénégalais et d'un Congolais. Et puis, il y a ce que moi, on a dit à Congolaise d'origine et de souche, 100%. Parce que tu peux être porté par le courant de ton coco et tu es parti là-bas. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Alors, parlons-en maintenant sur quelques règles de notre débat. J'ai vu des productions payées, on a payé des gens, pour que ça la production intellectuelle bidon. Balobi, non, la loi de Tiani, elle est inconstitutionnelle. Mais attendez, c'est d'abord, la loi de Tiani, ce n'est pas encore une loi. Ce que Tiani est en train de dire, c'est une proposition. C'est une réflexion. Ce n'est pas encore une loi. Les gens disent, non, Noël Tiani, bon, c'est Azosenga loi. Moi, je ne suis pas au niveau seulement d'une loi. Encore, quand je l'ai dit, c'est une proposition. Moi, je dis ceci. Si Noël Tiani, lui, s'arrête à une loi, au niveau de la loi électorale ou tout ça, moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je demande qu'on révise la Constitution, qu'on révise l'article 10. Et je vais vous lire l'article 10 et l'article... Je vais faire la lecture croisée
de l'article 10 et l'article 72. Vous allez voir. L'article 10 du... Commençons d'abord par l'article 72. On dit, nul ne peut être candidat, pas président, candidat. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Quatre points seulement, hein. Quatre points seulement. Alors, quand vous nous parlez des hautes compétences, la Constitution elle-même ne parle pas de compétences. Parce que, comme je vous ai dit l'autre fois, la compétence ne se présume pas. La compétence ne se soupçonne pas. La compétence, c'est la compilation des efforts, c'est la compilation des connaissances, c'est la compilation entre l'expérience et les savoirs. C'est ça que ça veut dire, compétence. Et surtout, basé sur les résultats. Vous n'allez pas me dire vous êtes compétent parce que vous avez été ministre ou parce que vous avez été gouverneur ou parce que vous avez été député. Ce n'est pas ça la compétence. Ça, c'est une expérience. Maintenant, le résultat, c'est lequel? Si vous avez été député, combien de lois vous avez fait passer? Combien de lois vous avez, apporté? Ou combien de choses vous... Quel est votre bilan législatif? Si vous avez été gouverneur, ce n'est pas le fait d'être compétent. Combien de gouverneurs sont incompétents, notoires, ici? Donc, le problème n'est pas parce que vous avez été gouverneur ou parce que vous avez été ministre. Le problème, c'est les résultats que vous avez obtenus après votre passage. Donc, il ne faut pas nous embrouiller sur la question. Le même article 72, si vous lisez la constitution égyptienne, la constitution algérienne, la constitution algérienne et quelques constitutions que j'ai lues, l'on parle des vertus, on parle des valeurs que doit avoir un président. Ce sont les valeurs que doit avoir un président, pardon. Un président doit avoir ces valeurs-là. Maintenant, regardez chez nous. On dit, posséder la nationalité congolaise d'origine. Moi, je vous dis que le piège est dans l'origine. Les gens ne comprennent pas. Le piège est dedans. C'est pourquoi Mobutu, en son temps, ne voulait pas tomber dans ces pièges. Mobutu disait, il faut être le père et les mères congolais. Et quand il expliquait congolais, zaïrois, il savait qu'il parlait des zaïrois de souche. Par entendement, Mobutu voulait parler des Zaïrois de souche. Il ne voulait pas parler des Zaïrois, par naturalisation, ou par filiation, ou par adoption, ou par le fait du mariage, ou par le fait d'être trouvé sur le sol. Non. C'était Zaïrois de souche. Il faut qu'on se dise des vérités, c'est important quand même. Donc, être possédé de nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans ou au moins, jouir de la plénitude de ce droit civil et politique, n'est pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale. Donc, Jean-Pierre Bemba et tout le reste. Maintenant, revenons sur la question de l'idée. Cette constitution a été faite pour favoriser en premier M. Kabila. Il se retrouve être jeune en ce moment-là. Quand il arrive au pouvoir en 2001, on dit 28 ans, d'autres parlent de 29 ans. Seuls lui et Dieu savent leur âge, l'âge qu'il avait en ce moment-là. Alors, maintenant, on fait quoi? On dit, bon, en 2006, il a 34 ans, si je ne me trompe pas. En 2006, il a 34 ans, ou 35 ans, ou 33. Parce que c'est entre 33, 34, 35. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je profite pour souhaiter un pétillant et joyeux anniversaire à Joseph Kabila Kabong, qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Donc, ce qui fait que M. Kabila, on va dire, il pouvait être 35, 34, quelque chose comme ça. Alors, on va dire, bon, il faut arranger, il ne faut pas quand même aller jusqu'à 40 parce que ça va l'exclure. Il ne faut pas dire le président doit avoir 40 ans. Non, il faut dire que le président doit avoir au moins 30 ans. Comme ça, lui, il est dedans déjà. Et c'était pour Kabila, pour faire plaisir à Kabila. La preuve, il était le seul candidat le plus jeune en ce moment-là. Parce que c'est lui qui était le plus jeune. Il n'y avait pas un autre candidat moins âgé que lui, je peux me tromper. Mais en tout cas, il n'y avait pas un autre candidat moins âgé que lui. En fait, c'était pour faire plaisir à Kabila. On dit. Jouir de la plénitude de ce droit civil et politique. Bref, maintenant revenons dans l'article 10 de la Constitution. L'article 10 dit ceci. On va prendre... La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. L'idée cachée dans cette partie de l'exclusivité de la nationalité, c'était pour empêcher pour la plupart des cas les membres de diaspora. Parce qu'ils étaient nombreux en ce moment-là, ils étaient hostiles à ce régime. Il ne fallait pas ouvrir la brèche à ces gens-là. Parce qu'ils allaient venir ici, réclamer le vote et voter, ça allait être compliqué. Donc il fallait exclure une bonne partie des Congolais qui avaient d'ailleurs
les origines beaucoup plus importantes que ceux qui voulaient être candidats, eux et président, et députés et bien d'autres, on les a exclus. L'idée, c'était ça. Il fallait les exclure. Et on, bon, après, on va cacher. Non, c'était pour empêcher. Mais l'idée, c'était vraiment exclure un bon nombre de Congolais. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et Congolais d'origine, voilà là où le problème se trouve. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo à l'indépendance. Je vous explique en fait ce que ça veut dire. Les groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo. Dans le principe, dans les énoncés, c'est formidable. Dans les énoncés, il faut que, même en 1960, si tu es Sénégalais, si tu es Malien, si tu n'es pas Congolais, parce que ton ethnie ne se trouve pas ici. Il faut que ton ethnie se trouve ici. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune preuve que tel appartenait à une ethnie ou à une autre. Aucune. Parce qu'on n'avait pas de cartes prouvant que je suis de l'ethnie Mongo. Parce qu'en 1960, qu'est-ce qui prouve que je suis Mongo? Il faut aller parler dans les témoignages, il faut qu'un chef coutumier témoigne, il faut... Et tout, on connaît tous que c'était des choses inutiles parce que la corruption était là, tout le monde pouvait raconter ce que l'on voulait et ce n'était pas normal. Donc il y avait déjà beaucoup de faiblesses en ce moment-là. Aucun système d'état civil pour nous prouver efficacement qu'on était Congolais ou pas Congolais. Donc c'était à un moment donné, on va dire, extrêmement compliqué. Donc, mais il faut aussi reconnaître le fait que c'est beaucoup plus, moi, ça m'arrangerait de dire être de père et de mère d'origine qui appartiennent aux groupes ethniques. Ici, la formulation peut être un piège pour ceux qui l'ont conçu, pensant nous piéger, mais ils se font piéger eux-mêmes. Alors, quel est le sens de la phrase, par exemple, appartenant aux groupes ethniques? Est-ce que le aux groupes ethniques, c'est l'obligation d'avoir deux ethnies venant d'un père et d'une mère? Ou c'est les groupes ethniques au sens, ils sont nombreux et les groupes ethniques sont nombreuses, on les prend tous là-bas? C'est quel sens? Parce que ce n'est pas le but qui est la logique qui appose à la Congolais. Il faut que les gens soient dans l'ethnie nabiso. Ça veut dire devant tout ce flou, moi je propose la révision de cet article. Nous avons proposé de réviser article O pour n'y permettre surtout le mot exclusivité à nationalité parce qu'on est d'accord dans exclusivité dans côté ou alors ceux qui doivent garder exclusivité et nationalité nabiso mais to permettre que bateau nyo soit ça congolais et que bateau congolais de père et de mère mais bateau nationalité congolaise ailleurs va jouir na ba droit nyo soit au congolais locaux bateau nango ça veut dire congolais oya awa bateau nango ceux qui to sali bongo ça peut nous aider. Ça veut dire Christian Bosembe pour des raisons il y a exil ou pour des raisons il y a pauvreté ou pour des raisons il y a mort quelconque n'a changé de nationalité n'a commis canadien t'en a commis français mais que l'État congolais me garantisse que n'a aucun investir dans le Congo comme un Congolais que n'a aucun coin dans le Congo comme un Congolais que je n'ai pas besoin de visa pour venir chez moi je n'ai pas besoin d'avertir pour reprendre un Bokonanga je peux venir quand je veux et je peux détenir un autre passeport congolais. Donc n'a aucun moment on a deux passeports on a un passeport congolais on a un passeport Bokonanga. Il faut que tout comme un niveau qu'on ouvre ça, n'a aucun qu'on postule partout. Mais ce qui n'a postulé le rôle de député, n'a exécutif, tout n'a comme le rôle président de la République, il faut n'a renoncer à la nationalité Moussousou. Mais pour n'a le commerce, pour n'a pas faire, pour n'a pas la professeur, pour n'a pas s'occuper enseignant, pour n'a la directeur d'une entreprise quelconque, il a problème T, pour n'a travailler en administration, n'a pas travailler en administration en détenant mon autre nationalité. Mais ce qui n'a ligné là comme un président, député, exécutif, dans le service de sécurité, il faut faire le choix. Il faut renoncer expressément à la nationalité de Libanda. Soit il y a France, soit il y a Canada. Seulement en ce moment-là, nous avons postulé comme président de la République. Nous sommes d'accord. Parce que tout le monde qui va congolais, ou il va changer ma nationalité, va changer un peu de congolais. Bah changer un côté pour bah il y a Congo, bah changer un côté parce que bah les gens qui ont avantage à Mboka Moussous. Mais Mouté mana bongo nyo so les Mboka na biso. Voilà pourquoi tant que je vais bongo na bongo, bongo ne va tonga ba flat hotel ao.
bangonde ba tonga ba flat na bango ba ndako na bango awa ba faire na bango awa ba entreprise na bango awa et ba soutenir ba famille na biso awa. C'est, ça sera une hypocrisie de dire à ces gens-là que tolingi binoté, parce que c'est une bêtise. Le Congolais qui vit à l'étranger, il y a mutazo sa famille na union son charge awa, mais ce qui a lingaya bose ngaya sa prise en charge, on a prise en charge nene pour yenne de prise en charge. C'est lui qui est en Europe, qui est en France, celui qui prend en charge toute sa famille au Congo. Maintenant, avant qu'il vienne, vous dites non, comme il a déjà changé la nationalité, qui demande une prise en charge. Comment celui qui prend en charge les gens va demander une prise en charge aux gens que lui prend en charge? C'est une bêtise, tout simplement. C'est une bêtise. Bon, il fallait quand même corriger ces Congolais qui étaient à l'étranger, qui n'étaient pas d'accord avec Kabila, qui étaient hostiles à la gouvernance de Kabila. Il fallait les sanctionner. Mais vous ne pouvez pas sanctionner tout un peuple à cause de son opinion. C'est pas possible, c'est contre la loi. C'est contre le principe moraux de gouvernance. Et donc, voici mes propositions. Il faut toujours que ça soit logique. Voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne le président de la République, celui qui veut être président de la République, bourgmestre, chef de rue, gouverneur, député national, sénateur, bateau, il va travailler pour la Bissouana. Tout ce qui est dans le monde, il va travailler pour papa na maman. Bazala ba congolais et bazala na appartenance dans aucune autre nationalité en dehors ya biso historique, sociologique et même conjoncturel. Nous ne voulons pas, moi je ne conçois pas que celui qui va me diriger comme président de la République soit d'un père étranger ou d'une mère étrangère. Je ne suis pas d'accord et je ne suis pas prêt à accepter ça. Quel que soit le cas, naza prêt à accepter un mot T. Je trouve ça, c'est une insulte aux nombreux Congolais qui n'ont que leur père et leur mère comme Congolais, et qui, en principe, devraient être protégés par leur peau, par leur pays, pour que Bangonde va garder Mboka Nabiso, va protéger Ango, Bangonde va payer Nabiso moyen, tout ça n'a besoin. On va dire, non, mais, qui dit que pour être Congolais de père et de mère, Yangone Kotonga Mboka. Mais qui nous dit le contraire? Qui nous dit que c'est parce que vous êtes étrangers que vous allez aimer le pays plus que nous, les nationaux? Qui dit ça? Alors, du moment où nous sommes dans les évidences, acceptez nos évidences. Papa Nayo, il faut azala Congolais, azala Mongo, azala Mungala, azala Muluba, azala Mutabandundu, azala Muswahili. On veut bien. Maman Nayo, père azala Bongo. Mongo, Mungala, Muswahili, Muluba, Mutabandundu, azala Bongo. Tolingi azala ke baboti na bino tout, bazala déchirete. Bango azala ba nationaux pour que babota bino et bino tout azala Bongo. Sinon, tu as la normalité. Maintenant, voilà que je suis en train de lire un élément ici. Ça me fait rire depuis le début. Moutoubara Lobby, la présidente de la RDC est verrouillée. Mais Joël Noël Tiani n'a pas dit que la présidence n'était pas verrouillée. Et puis, il faut dire que nous, à notre côté, la Noël Tiani, ça aurait été n'importe quel Congolais, j'allais avoir le même point de vue. Moi, même si cette proposition venait d'un prisonnier qui venait de tuer des gens, je sais faire la part des choses entre une proposition et la nature de celui qui apporte la proposition. On peut être un faux messager en apportant un bon message. C'est normal. La bêtise, c'est de lier le messager au message. La vérité reste vérité, même si ça sort de la bouche d'un fou. Ça reste une vérité. Le mensonge reste mensonge, même si ça sort de la bouche d'un ange. N'oublions jamais ces choses-là et ne faisons pas de confusion. La loi reste la loi. Parlons de la loi, parlons de la proposition de la loi, parlons principe, laissons la vie privée des gens. Ça ne sert absolument à rien, on a tous des défauts, on a tous des cadavres dans nos placards. Ce n'est pas parce que ton cadavre n'est pas connu que tu n'as pas été, tu n'as pas des cadavres. Les gens devraient comprendre ça. Nous échouons tous dans les histoires racontées par les autres. Et nous sommes tous pécheurs selon le péché que les autres ne commettent pas. Alors faisons très attention en pointant le doigt des gens. Les gens de doigt, faisons très attention. Alors, le monsieur va parler de l'article 7, 8, 9 de la loi sur la nationalité de 2004. On le doit conformer à l'article 72 de la Constitution de Brigitte la magistrature suprême. Je ne comprends rien. Noël Tiani et sa proposition de loi que moi j'épouse, et d'ailleurs, nous avons avancé contre le cas. Pour la proposition, il y a loi, nous avons dit que ceux qui nous ont battu à l'article 10 de la Constitution, nous demandons de réviser Yango. Nous demandons que Bazongi sa étude douana. Faisons un débat. Depuis na sengaki batubaya batubaya va faire un débat. Même si bino ki boya ko sala débat, je vous paye le produit, je vous paye le plateau. Je paye le plateau. Venez apporter des éléments, débattons. Pourquoi vous fouillez? Mukana kimbia djuanini. Mukuye. Venez, on va discuter. Pourquoi vous ne voulez pas? Parce que vous savez que vous n'aurez pas d'argument.
Parce que vous êtes là, parce que vous portez Bokombo Abad. Les Congolais qui sont exclus de la course à la magistrature suprême, les Congolais naturalisés, c'est-à-dire les Libanais, à comme Congolais, le Congolais par effet de l'option, il a choisi, quelqu'un a choisi de devenir Congolais, le Congolais par effet de l'adoption, bon, il n'est pas vraiment d'origine, mais quelqu'un le prend quand même, et on l'adopte comme ça, le Congolais par l'effet du mariage, Nabali Congolaise, Nabali Congolaise, le Congolais par l'effet de naissance et de la résidence Yamboka, tu es né au Congo, et tout ça, mais le monsieur a oublié les enfants trouvés sur le sol. Est-ce que vous savez que vous avez la nationalité congolaise par le sol, sur le botamina aéronef congolais? C'est-à-dire que c'est Congo héroïse, sauf que c'est la société à l'État. Et l'État est dans le colo, et qui est dans le Cameroun, et qui est dans le Cameroun, sur le sol camerounais, et qui est. Mais moi, si moi, dans le cas de l'avion, à sa contraction, et puis à Boti, dans le cas de Congo héroïse, dans le Cameroun, cet enfant peut dire je suis congolais. Parce qu'il a la nationalité congolaise par le yut soli, par démembrement, dans l'aéronef ouana. Tout un bateau congolais. Il faut que ce soit un bateau congolais ou un aéronef congolais. Il faut d'ailleurs Congo. Ça c'est clair, non? Même si ce sont deux parents juifs, quand il y a Congo héroïque, ceux qui sont à l'État, il faut aller à l'État complètement. Et dans l'État, quand il y a avion, mais c'est comme ça. Et dans l'État, il y a une ambassade. Juif, mon malien, il y a autant de juif, mon grand malien, il y a peut-être un passeport, tout quelque chose comme ça. Et moi, ça va dire contraction quand il y a ambassade à Boti. Mais c'est le seul Congolais. Le démembrement à Botami. Donc, à quoi gros Singapé, nationalité. Donc, Bango, Baza exclu. Si quoi, biso te lobi boye, c'est bien déjà d'exclure Bato catégorie, c'est déjà bien. C'est déjà bien de les exclure. Mais biso te lobi to Bato, ça. Nous voulons aller un peu plus loin que ça. Nous disons, ok, déjà ça c'est bon. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que moi, na oya Botami na Congo, na maman congolaise, mais na papa camerounais, te lobi te, yé. À ça la macamounio soyamboka avec congolais ton dimi tokobeta bale sika moko tokolia sika moko tokotanga sika moko à cause de la exclusion à ta mon côté sauf pour être président de la République. Alors si tu me poses la question sur base de quelle loi, je te répondrai sur base de la loi que nous nous battons pour quel quota. Donc l'autre, ma proposition à moi ne se retrouve pas dans la loi actuelle. On peut même considérer que c'est contre la loi actuelle. On peut même considérer ça. Mais c'est justement ça l'évolution d'un pays. Nous proposons, nous disons que quand on va réviser l'article de la Constitution, tout inclure Yango. Alors il y a des questions d'ordre personnel. Christian, et toi maintenant, si tu épouses, si ton enfant va épouser une Française. Donc tu veux dire que ton petit-fils ne pourra jamais devenir président. Mais il faut que Christian Philippe le sache. La loi, c'est la loi. Il faut que Christian Philippe le sache. Si tu tombes amoureuse d'un Allemand, d'une Allemande, pardon, ou d'une Française, ou d'une Américaine, rassure-toi que tu as limité tes enfants à la fonction présidentielle. Ils ne le deviendront pas. Mais ils peuvent devenir ministres, ils peuvent devenir, je ne sais pas moi, professeurs, commerçants, ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne deviendront pas président de la République pour le simple fait que leur mère n'est pas congolaise. Et je suis d'accord, fier de cela. Mais attention, ma nuance à moi, c'est laquelle? Ce que je dis, cette loi doit s'arrêter un moment. Quand on aura construit complètement le pays, quand on aura une administration forte, quand on aura reconstruit le Congolais dans son âme, quand on l'aura réconcilié avec ses valeurs et ses vertus, quand on l'aura remis sur le chemin de sa perdition, quand on aura fini ça, oui, on peut ouvrir. Oh, je ne trouve aucun inconvénient. Quand vous nous parlez de la France, mais respectez quand même 4 siècles de démocratie, ou d'exercice, pardon, de la liberté, de beaucoup de choses. Quand vous parlez des États-Unis, il faut vous rappeler que c'est plus de 3 siècles de combat, d'existence, d'État. Les États-Unis existent comme ça, ça fait près de 3 siècles, ça existe. La France existe, ça fait autant d'années. Mais vous, vous existez, ça fait combien de temps? Votre bizarrerie, le pays a existé avant la démocratie, comme on a aucune logique, et que bébé zongi. Non, on dit non. On dit non. Alors, et puis après, ils disent non, Noël Tiani veut exclure les gens et tout, et ils veulent se cacher derrière là. Tiani, le bakil, il y a face, il y a Mouyambo. Mais écoutez, donc vous pensez qu'il y a des Congolais qui ont le droit d'insulter les autres, tous les propos désobligeants que lui, M. Mouyambo, a tenu. Qui a osé lever son petit doigt pour le corriger? Qui?
Donc vous, ça, vous faites des tri maintenant. Comme c'est M. Muyambo, lui il peut insulter, il peut distribuer les insultes, ça n'offusque personne. Mais quand on dit qu'il a la tête d'un Polonais, ça vous offusque tous. Non, des livres. Non, mais écoutez, arrêtez cette hypocrisie. Arrêtez cette hypocrisie. Nul n'a le monopole des insultes. Il faut battre Barango. Nul n'a le monopole des insultes. Tout le monde peut insulter quand il se sent menacé. Tout le monde a son seuil d'éducation. C'est pas parce que vous insultez les gens et qu'ils ne vous répondent pas que... Non, 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 il faut éviter Babilo comme modèle. Voilà. Alors, donc, et puis après, c'est vraiment un truc bidon qu'on a finalement sorti ici. Je voulais tout simplement que les gens comprennent le Kouana. Et je crois que la dernière fois, dans l'émission, il y a Mambo à nationalité. Hein. Dernière fois, ça veut dire, na dozo na pesi, j'estime que la est éclairé. On va donc passer maintenant à autre chose. Na rozon na Mambo nationalité, au cas ceux qui battent, nous sommes obligés d'attaquer sous. Donc, tout est quand même debout. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que l'avantage de cette proposition, de cette vague, il y a Eloko, au moins les gens ont compris. Idée à Congolais Zani. La majorité à Congolais va s'opposer à Eloko. Disons, va accepter la proposition Wana. Et la majorité. Et, bateau, dans la condition Wana, va se sentir vulnérable. Et Naïb Sibino, que Mouta, bateau, va s'aller G.O. et ma B, et ça va être Katumbi. Katumbi, c'est un débat, Mimi, Makambo, à niveau haut. Ce qui va bêta qui loi Oyo, proposition à Noël, c'est un carat, à Toronto, comme à niveau haut. T'as commis à niveau haut parce que Bango Bakanisa qui avec l'argent on peut tout régler. Bah tu as Katumbi. Bah l'état-major naïe, bah fanatique naïe. Ils ont cru que avec l'argent on pouvait acheter tout le monde. Ils ont cru à ça. Malheureusement, comme ils m'ont ils ont cru que ceux qui t'ont fingi, t'ont attaqué et qu'on ça. Oh, bah tout molli, une fourmilière. Et comme ils m'ont compliqué, Bango comme ils ont dans la quatrième colonne Bango. On leur avait dit. Moi, en fait, les gens, parce que les gens n'écoutent pas les gens. Naïe, mais ça, Bango, on a début à l'Ikambo. Je dis, faites très attention. N'allez pas dans cette direction-là, ce n'est pas bien. Et M. Moïse Katumbi Tchapoué, je m'adresse à vous aujourd'hui pour la première fois en vous disant ceci, M. le Président Moïse Katumbi Tchapoué. Pour votre avenir politique, qu'on floue un côté dans un débat inutile, vos gens, ils ne peuvent pas faire un bon. Alors, ils ne peuvent pas sucer un bon monde. En t'imposant des débats qui n'ont rien à voir. Ce débat des nationalités ne va pas t'aider. Au contraire, ça va pousser et voler mon crédibilité et Kobimiso beaucoup plus vulnérable. Moi, si on a une minute, je vais tout vulnérabilité à Moïse Katumbi. Je vais tout. À comprendre, ah, Moïse Katumbi va être vulnérable. On peut, donc, ça dit qu'on a un débat, on a un petit peu de temps, on l'a moussé après. Parce qu'on a compris qu'il y a place au Belak. Place au rapace Yangwana. Et ce n'est pas bon pour un leader politique de montrer la faiblesse. Là, vous nous avez montré que vous avez été atteint. Vous avez répondu à Bakambuya. Kabotela qui même pas Makambuana. Vous aurez dû ne pas répondre à ça. Mais le coup, là, quand vous répondez, que Pessi bat occasion. Et les gens ont jugé, et à la fois votre niveau, et à la fois votre appartenance, votre compréhension du dossier. Et là, qui m'a dit. Donc, c'était un mauvais pas. Moi, je demande à M. Moïse Katumbi de se reprendre. Parce qu'il y a encore une deuxième affaire. Monsieur Moïse Katumbi, il faut que les gens comprennent. Il y a une deuxième affaire. Et dans la tiroir, et c'est la caca. Et vous m'avez sous. Ça, je t'avertis déjà. Deuxième affaire, et vous allez beaucoup plus scandaleux que vous avez mis les lots. Nationalité, vous avez essayé la caca. Mais qui vous avez réagir. Vous essayez, vous regardez la vulnérabilité de quelqu'un, bien, ah, il bouge ici. Hein. Ok. Donc, ah, il a la faiblesse. Mais la deuxième affaire, Ezali, c'est pourquoi je dis, il est temps de. On va revenir un peu, on se calme un peu, on se calme. On appelle ses troupes, on dit, écoutez, moi, en tant que votre président Moïse Katumbi, je vous interdis de commenter sur le débat de la loi. Laissez ces débats mourir comme ça. Laissez ces débats mourir. Monsieur Moïse Katumbi, vous gagnerez beaucoup plus dans le silence que dans l'affront. Et votre technique, tout le monde l'a vu maintenant. Vous, vous dites, je suis en retrait, mais mon équipe, allez-y. Alors, mais tout le monde connaît maintenant. Il y a des gens qui connaissent que le jeu là est là où ta place est là. Alors, pour éviter ces choses-là, rappelez ma troupe, on se calme, on regarde l'avenir, on se construit. Sinon, c'est compliqué. Moi, je vous dis déjà une deuxième affaire beaucoup plus scandaleuse, Ezali. C'est, et là, parce que je dois le dire vraiment, il y a cinq dossiers, cinq dossiers. Sur Moïse Katumbi, cinq dossiers. Donc, que l'on peut réveiller à tout moment. Et la Kabylie avait ça. Kabylie avait cinq dossiers de Moïse Katumbi qui est sur la table.
5. La question de la nationalité. Na Ozoya, na Omususu, na Omususu. Il se peut que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, bah mes amis balé Omususu. Et ningisi, bah otika. Après, juste qu'il faut fatiguer Moïse Katumbi. Il faut le fatiguer et le décourager. Pourquoi? Bon, on est en politique, on se fait des coups, on se donne des coups, et c'est normal. Et quand tous les coups que je donne, je vous parle là, et ça, coup, pas inconstitutionnel, hein, c'est égouté que, oh, violation constitutionnelle, et ça, bon, ça sera seulement l'opinion qui a parlé, l'opinion a sorti un élément, l'opinion. Je vous avertis déjà, parce que nous, le malheur que nous avons, c'est de voir les choses en avant, en avance. On le voit en avance, et quand on en parle, c'est comme compliqué. Mais je vous dis déjà. Donc, l'attitude de Moïse Katumbi va déterminer la suite des choses. Moi, à la place de M. Moïse Katumbi, je veux m'éclipser un peu. Je me concentre sur mon parti. Je travaille sur mon parti. Je consolide le parti. J'inscris mon nom dans les cœurs des Congolais et je commence à présenter des candidats. 2023, je m'efface un peu. En tout cas, ça, c'est ce que moi, je proposerai à Katumbi. 2023, abstenez-vous de postuler. Attendez 2028, vous allez postuler. Calmement, il y aura, le terrain sera vide. Vous aurez grandi. Grandi en termes de parti politique pendant au moins 8, au moins 5 ans, juste, non mais 2 ans, non. Vous grandissez beaucoup plus, vous devenez beaucoup plus fort. Et puis voilà, vous vous en sortez. En 2028, vous êtes vainqueur, quoi. Mais Soki, Bolingo, Tcha, Libaya, en 2023, oh yo, ah, ça va être compliqué. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était un point de vue seulement. À prendre ou à laisser. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Hello. Lopino biba ila biloko olia. Bon ina ta biloko etazini. Oni koko mama bona bona bo genèse. Mona etazini. Tata yo kikolela na bino. Atinde li bino. Mama Samira. Ndenge ozala kan etazini okolela lokola mutwaza na mombele. Lokola mutwaza na ngaba. Merci mon bou. Wow! Isse mbus. Bana etazini. Kolia bio et komi lolingi na bino. Bona kozwa, mbisi ya koka uka, tope mafute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebi toyo. Che mama Samira, manso mazali. Elo komo kote yo koluko komo nate. Nandenga va bete, bona kozwa bilo kwa detay. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 Avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka. Mbisi ya koka uka. Mongusu mafute mbila. E koko maloko la bazoka na yo. Yeah yo, kombone mama Samira. Makian bae. Yokite, au taliban faute, au moni ma maquette, au moni signature y'a ma contrat à toté. Seul partenaire immobilier sûr, objectif habitat Asbel, maman Moseka, Kotoyo et Komiko Sila. Et Panabiso, Nungu Nungu Ezalate. Tomanda na la île, Tokomi na la 7. Maman Moseka, partenaire y'a sûr. Kotoyo et Komiko Sila. Afin que Batounion se base à la servie, Mbaloyo, Platinum, Gold, Silver. Platinum, 6000 dollars. Gold, 4500 dollars. Silver, 3500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique, Pene Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. On a maïpé sécurité, t'en rassura. Maman Laure, maman a opportunité à Koma Nagombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance.
Nyampana Congo, Toye Mali, Toye Bolonde Nelalisa.